Il a eu environ une heure d'entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi 19 mai 2014. Thierry de Saint-Maurice, le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, reçu par le chef de l'État au palais présidentiel, a échangé avec lui sur plusieurs sujets. La question de la paix dans la sous-région, sur le continent, mais aussi les conclusions du dernier sommet Union européenne-Afrique ont été notamment au centre de leur entretien. Le sommet de Bruxelles entre l'Union européenne et l'Afrique, les conclusions de ce sommet en matière de paix et de sécurité sur le continent, en matière de prospérité et en ce qui concerne le bien-être des populations, sur les questions de paix et de sécurité. Nous étions aussi dans l'actualité de ces derniers jours et je pense évidemment à ce qui se passe ces dernières semaines au Nigeria ou à ce qui se passe ces derniers jours au Mali. Nous avons aussi évoqué les questions d'intérêt régional, en parlant notamment de la perspective proche de la conclusion de l'accord de partenariat économique entre la CEDEAO et l'Union européenne. On espère que cet accord pourra être finalisé dans les semaines qui viennent. Et garantira à l'ensemble de la région les meilleures conditions pour son développement économique. Aussi, Thierry de Saint-Maurice a-t-il indiqué qu'il ne pouvait pas rencontrer le président ivoirien Alassane Ouattara sans en venir avec lui aux relations entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Relations, selon lui, excellentes et même exemplaires.